Donc, le maire de la ville nous a reçu justement par rapport à l'une des innovations du code minier, qui est celle qui concerne la dotation minimum des 0,3% du chiffre d'affaires de chaque entreprise, qui doit être gérée par une structure, une entité autonome, dans laquelle il y a les représentations, notamment celle de l'autorité administrative locale qui est le maire de la ville. Vous savez que par rapport à cette disposition, il y a l'arrêté interministériel du ministre national des Mines et celui des Affaires sociales qui a été signé, notamment pour ce qui est de l'organisation de cette entité, de cette structure, son fonctionnement, ainsi que les modalités et mécanismes de gestion. Et il était question que l'on passe à l'opérationnalisation en venant vers les autorités, les communautés locales, les différentes structures concernées, pour la désignation de leurs membres qui devront être nommés par voie d'arrêté afin que la structure devienne la structure dont il est question devienne opérationnelle. Et ça, c'est pour toutes les entreprises qui ont des structures. La redevance minière, c'est l'une des innovations du code en rapport avec les sociales des communautés. Et cette dotation, elle est totalement différente. Cette dotation, elle n'a rien à faire. Comme on dit, c'est une dotation minimum des 0,3% du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Et la redevance minière, comme vous savez, c'est chaque fois qu'il y a des ventes et autres qu'on la calcule et la quantité, elle est rétribuée à l'entité dont il est question. Ça n'a rien à faire avec la redevance minière.